Et plop les gens, de retour dans Céleste, on n'a pas bougé, on est toujours là. En... Après la montée, et là on a les flaques, on va appeler ça comme ça. Flaques de magma qui nous tombent dessus et qui nous chassent par dessous. Dont on essayait... On essayait d'apprivoiser, voilà. Pas approvisionner, le terme c'est apprivoiser. Et voilà, c'était sympa de me sauver. Voilà. C'était compliqué. C'est compliqué quand même ce... D'accord. C'est compliqué ce passage parce que... Faut être très précis sur ces petites boules. Parce que sinon on fait ça... Oh, oh j'ai plus le temps de sauter. Voilà. Là, j'ai un dash de plus. Donc c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus safe. Là, je n'ai pas mon dash de plus, du coup c'est... très compliqué. Mais c'est compliqué. C'est même très complexe. Allez. J'ai failli aller direct là où je voulais. Oh, j'aurais dû attendre. Voilà. Faudrait tellement un dash ici, mais... Autant économiser celui-là, c'est possible. Ouais, avec le double dash, j'atteindrais peut-être la... Paroi là-bas, après ça... Oui. Oui. J'avais un dash de rab, mais c'est pas grave. Voilà. C'est pas un premier saut ridicule, mais presque. Et le deuxième est à la hauteur. Ne pas se prendre le plafond. Saut trop tôt. Allez, pouf. Hop, et non.
Pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore trouvé de chemin. Et ne sachant pas à quel moment je vais être obligé de dasher, j'ai pas compris encore si là j'étais obligé de dasher ou quoi. J'ai l'impression de pouvoir. De pouvoir faire 100, mais. Punaise, je l'avais! Les deux premiers, voilà. Que je me mette peut-être pas autant sur le bord de la plateforme. Faut que j'arrive au deuxième quand même. Je suis même pas obligé de les. En fait, je suis pas obligé de dasher jamais. Le fait que le mur va me tomber sur la face, ok. Mais en soi, j'utilise le dash quand je veux. Genre là, ça, c'est encore potable. Tester. Oui. Mais non. M'agripper à gauche, mais oui. Et là, pareil, je m'agrippe ici et je saute. Ok. Ok. Oh, j'y étais presque. Impressionnant ces trucs, mais c'est au final pas ce qu'il y a de plus dur en Céleste. Je dis ça alors que j'ai toujours pas touché Farewell, donc forcément Farewell ils ont pris un an ou un truc ou deux je crois pour avoir des idées et faire des choses encore plus dures, donc forcément. Et ils savaient déjà que leur jeu était un succès commercial. Ok, je ne réussirai pas aussi bien les prochaines fois. Voilà, la chance du premier essai toujours.
J'ai réussi les deux premiers sauts qu'on voit en arrivant sur la... sur le tableau, donc au niveau. Voilà. Alors que le dernier était facile. Et au final... Bah non. Non. Ok. Là on reprend bien nos cheveux normaux. Oh là là, au secours. C'est juste trop tard. Ah, j'étais presque. Et plop Flo, comment tu vas? Allez. Mais non! Bah si, puisque là je peux rebondir dessus. Et lui dasher à la face. Et donc prendre congé. Ah bah ouais, moi aussi ça va bien. Hein. Fatigué de Céleste, hein, comme d'hab, j'ai envie de dire. Et crevant très vite. Exigeant pour le moins. Pour Madeline, toujours en provenance du Canada, une carte postale. Pourquoi pas un petit défi? Les facets sont maintenant débloqués et les fraises d'or sont apparues au début de chaque chapitre. Bonne chance, Madeline. Bonne chance. Donc, nous avons fait seulement 12-14, 1214 morts. 1214 morts pour la face B. Bah, c'est le deuxième score hein, sur les faces B. C'est trois fois plus que le cœur en face A. C'est pas ouf. Donc on a les fraises d'or et on a les faces C. C'est un poil dommage de que je viens de commencer là, d'enregistrer la vidéo, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on commence d'abord? Je pense qu'on va commencer les faces C. Sur un nouvel épisode entièrement. Ouais. Parce que là, non, pas le prologue quand même. Donc là, on a le choix à faire la fraise d'or, donc ne pas mourir. On peut aussi essayer d'essayer de faire les drapeaux, si je sais pas si je vous dis ce que c'est, je vois à peu près ce que c'est. On va essayer de se faire le drapeau. Oh, va pas falloir oublier 13. Donc le drapeau amélioré, c'est...
ne pas prendre toutes les fraises, tout ça. Tout simplement. Toutes les fraises et le cœur en un seul passage. Je suis en train de me dire, je sais plus où est le cœur, si c'est bon. À peu près. Hop. Hop. Et tu as laissé tomber les zombies. Non, j'ai pas laissé tomber, c'est juste que bah... Pourquoi je suis venu là, moi ? Il y a rien de caché ici. C'est juste que le week-end dernier, j'ai déjà tourné une dizaine d'épisodes. Et tourner une dizaine d'épisodes, ça veut aussi dire... Ah oui, non, là j'ai qu'un dash, oui c'est vrai. Ça veut dire que j'ai de l'avance, entre guillemets, pour les sorties. Il va pas falloir que j'oublie la cassette, je pense que ça va, mais le... Non, ça devrait aller, je devrais... Pour le monde 1, je devrais tout trouver quand même. Évidemment, ils avaient déjà caché quelques fraises. Mais pas trop loin. Tac, qu'est-ce que je disais? Oui, dans Zer Billions, je l'ai pas abandonné, mais j'ai quand même aussi pas mal joué en solo. Hop. Aïe. Mais du coup, Céleste, il faut l'avancer aussi. Alors toi, on s'en fiche de te parler par contre. Ah oui. Hop. Première fraise, c'est bon. Là, si juste un truc. Non, là c'est là où j'étais. Non, là où il n'y a rien. Très bien. Tac, ici, hop. Oui. Mince. Et d'ailleurs, toi, tu l'as acheté aussi, Zer Billions Flow. Hein. Apparemment. Suivant ce que tu racontes sur le Discord. Mince. J'aime bien. En pixel art, tu as Stardew Valley qui est... Calme. Ah oui, beaucoup calme, un peu trop calme à mon goût, mais qui est un très très bon jeu aussi, c'est vrai. Acclamé par tous ceux qui aiment le genre. Hein. Je suis juste pas forcément le plus grand fan de ce genre de jeu, enfin, comme je le dis quand même régulièrement, de la sandbox. Box, c'est pas mal, mais il faut le. Mais il me faut du. Comment ça s'appelle la sandbox, c'est bien, mais j'aime bien les objectifs, surtout avoir quelques objectifs donnés par le jeu, pas que m'en donner moi-même. Pendant que j'essaie de retrouver, mais bon, j'ai juste retrouvé ma. Ma note quand même que j'avais gardée dans un coin pour l'ordre des pigeons, pour le sens des pigeons, mais j'ai pas l'ordre des images. Alors le, c'est un vieux,
Violet, bleu, violet, ça fait non. Blanc, violet, bleu, rouge, violet, jaune. Donc, blanc, violet, bleu, violet, rouge, jaune. C'était ça, non? Blanc, violet, bleu, rouge, blanc, violet, bleu, rouge, violet, jaune, violet, jaune. Machines inutiles. Oui, on peut remonter, on peut rentrer. Tac, tac, oui, on est là. C'est... Oui, mais c'est hard et très punitif, quoi. Stardew Valley, c'est hard et punitif? Non, tu parles de The Arbians. Oui, très, très, très punitif. J'ai fait n'importe, ok. Aucun souci. Alors ici, je me suis pas grippé. Ok, ok, ça c'est pour aller à la suite, voilà. C'est très embêtant les passages où il y a deux chemins. Parce qu'il faut revenir au bon moment. Parce que théoriquement, il y a un... Mince. Faut revenir au bon moment parce que théoriquement, il y a un... Comment ça s'appelle ? Une fraise sur chaque chemin ou ce genre de choses. Et qu'on essaie de faire le 100%. Donc voilà, j'en ai loupé une. Moi qu'elle soit là. Celle-ci. Ok. Oui. Prêt pour demain soir? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Je sais pas trop comment ça va se passer. Va falloir revoir les recettes au dernier moment pour. Mince. Pour savoir c'est quoi la prod et tout. Donc on va voir, mais ça sera sympa, ça sera sympa. D'ailleurs je crois qu'ils ont dit qu'il fallait que Facto soit en 1.0 pour le ces défis de prod. Oh. Faudra vérifier quoi. Allez. On va le faire autrement, hein. Et j'ai quand même raté une fraise, donc je peux recommencer, hein, tout simplement. On va aller jusqu'à la fin juste pour... voir si on n'en loupe pas d'autres, mais...
sais pas pourquoi j'ai lâché. Ouais, non, je sais pas pourquoi je veux lâcher ici. Ça ne marche pas, évidemment. Alors, est-ce que... Non. Oh, le Koh-Lanta. Ça va tellement être nimp, le Koh-Lanta. Je te préviens tout de suite. J'ai tellement pas à quoi m'attendre. Ah oui, ici il y a la cassette. C'est gentil. Mais c'est, je pense que j'avais, enfin, j'avais pas du tout l'intention de voter pour toi non plus. Pour t'éliminer. Allez hop. Hop. Hop là. Ça va être... Je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas à quel genre de jeu m'attendre et tout. C'est... Plus bête, c'est par là qu'il faut passer. De toute façon, je gagnerai. Bah, je l'espère pour toi, hein, dans tous les cas. J'essaierai quand même de le gagner moi aussi. Mais surtout les épreuves de confort là, qui... De quoi? Est-ce que ça... Ah, peut-être si... Ouais, si... S'il donne plus de vie ou ce genre de... Ou plus de temps pour faire une épreuve ou... Hop là. Là c'est par en haut hein. Voilà. Plus de nourriture. Oui, non, mais d'accord, mais... La nourriture, je peux l'avoir chez moi, quoi. Il va pas me faire livrer... C'est pas ça le principe non plus. Ok, et voilà, on sait qu'on a loupé la fraise là-bas. C'est le gâteau de l'arsenic. Passer la cinématique, oui. Gâteau à l'arsenic, il y a un épisode qui en fait presque mention, qui va sortir mercredi, donc mercredi, c'est Game Over Quest. Enfin, quand je dis qu'il va sortir mercredi, c'est mercredi sur Peertube. Sur YouTube, ça sera la semaine prochaine. Et évidemment, si vous regardez la VOD... bah, quelle que soit votre plateforme, il sera sorti hier. Un peu bizarre de dire ça, mais vu que Céleste sort les lundi et jeudi et que celui-là est un épisode qui est censé... Ah non, c'est pas le premier épisode. La semaine dernière, je saurais pas... ouais, c'est ça, mercredi de la semaine dernière, du coup ça aurait été fait.
De qu'est-ce que c'est que quoi? Game Over Quest? Non, Pirtube. Ah hein. Pirtube, c'est un site pour le commun des mortels. On peut dire que c'est un concurrent plus ou moins à YouTube. Ceux que ça intéresse, c'est dans la philosophie de ce qui est open source et libre, voilà. Du coup, les gens doivent installer eux-mêmes leurs instances, donc tous les sites Peertube ne s'appellent pas, ne sont pas tous au même endroit, quoi. Il faut pas que je me trompe, non, c'est pas là, c'est là. Là. J'ai sauté pour une fois. Et voilà, tout simplement. Et vu que je veux les soutenir particulièrement, mes vidéos sortent une semaine en avance sur Peertube. Si vous êtes pressé de les voir, si vous ne l'êtes pas, et ben prenez votre temps, rien ne vous... Enfin, oui, très bien les regarder sur YouTube. Ça ne me gêne pas du tout. Il y a même un petit peu plus de vidéos sur YouTube, si je dois être honnête, parce qu'il y a mes toutes premières vidéos quand j'avais commencé, essayé il y a il y a très longtemps, c'est des bouts de gameplay, des bouts de let's play. Je crois que j'ai pas fait un let's play complet sur c'était sur quoi? Sur Prison Architect en particulier. Oui, je sais que tu savais, mais c'est pour ça que j'ai repris l'explication à zéro et sans dire tu vraiment, sans parler de toi particulièrement. Donc on a dit blanc, violet, bleu, rouge, violet, jaune. Donc blanc, violet, bleu, rouge, violet, jaune. Voilà. Là où j'ai loupé une fraise quelque part. Mais on a vu qu'en passant par la droite, on ne gagnait pas de fraises, donc logiquement, elle devrait être là. On avait vu ce passage, mais qu'on s'était dit non, mais le vrai passage doit avoir une fraise. Et parfaitement, elle est là. Voilà, donc maintenant il suffit de finir sans... Ah, de finir le niveau sans oublier de fraise ou la cassette. Vu que le cœur on l'a déjà. Oula, j'étais à peu près des pics. Et on aura cette histoire de drapeau. Ouais. Et un bon un co-meubleur. Non, c'est par ici d'abord. Voilà, évidemment.
Allez. Oui, non, j'avais dit que je... J'avais dit que je voulais pas m'embêter. Peut-être pas la première méthode qu'on essaie de faire. Je sais plus. La première fois, mais... voilà. Et merde. Non, je me suis pas grippé. Tac, tac. Parfait, là on a tout. Zut. Hop, hop, hop. Allez. C'était chaud. Quoi ? Je l'avais réussi direct la première fois. En direct pour la partie basse. Je croyais qu'il fallait garder l'élan et non. Elle va bien, t'en fais pas, tout le monde va bien ici. La petite rune va bien aussi, elle dort bien en permanence. Oh. Que j'ai oublié une fraise. Non ! Oh punaise. Je me suis fait perturber. Oula. Allez, hop, hop, hop. Hop. Non, on va quand même pas aller par là, ça va pas trop. Ça marche, à la prochaine, Flo. Je m'arracherai pas les cheveux, t'en fais pas. Hop, hop, hop. Au moins... On s'entraîne sur ce niveau, ça va nous être utile par la suite. S'il nous reste du temps, on fera l'autre défi là, on prendra la fraise dorée. Voilà, voilà. Hop, ouh. Allez. Hop, on monte. J'ai pas vérifié, mais tout va bien. Ici. Ok. Oui, ici on a la première. Voilà. Zut. J'ai trop hésité. Ouais, on est bien à la deuxième. Hop, hop. Allez.
Donc nous visions blanc, violet, bleu, rouge. Blanc, violet, bleu, rouge. Violet, jaune. Violet, jaune. Voilà. Non. C'est pas si grave. Misclic, là on a tout. Là on est d'accord qu'on a tout. On arrive par en bas si on prend l'autre passage. Ici on prend cette fraise là. J'ai fait un... Alors là, je me suis dit c'est bon. Ok, là je pensais que le... je pensais que j'étais bien arrêté, que j'avais plus de, d'inertie. Alors ici on a tout, il en manque deux, donc une ici. Non. Voilà. Et une là. Voilà. Maintenant. Ici, on va aller au fond d'abord. Je crois que c'est celle-là que j'ai oubliée. Zut. Zut. Je suis passé trop vite. Alors ici, oui. Ouais, c'est ça, c'est à cause du... À cause de la cassette, je pense que j'ai totalement zappé qu'il fallait retourner sur la gauche une fois qu'on avait fait le en bas là. Hop. Là, ici en retombant j'ai dû descendre directement à droite au lieu de d'aller à gauche. Oups. Là il y en a une, il y en a une sur la droite. Hop, hop, elle est réapparue. J'ai pas vérifié avant le dash. Ouais, il y en manque une. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je me souviens déjà plus, on l'a fait tout à l'heure. Mince. Hop, hop.
J'espère vraiment que je l'ai pas loupé. Non, elle est là-haut. Parfait. Oups là. Voilà. Tac. Et on y arrive, tout simplement. On y arrive. Ouh, je fais n'importe quoi. Hop. Et là on a tout, on a la cassette, on a le... On a la cassette, on a le cœur, je crois qu'il faut les deux. Et on a un chapitre complètement fini. Qu'est-ce que ça nous donne le chapitre complètement fini? Ça nous change la couleur du drapeau, il a une étoile. Donc voilà, alors ça à la limite c'est faisable, c'est un peu long parce qu'on va, faire gaffe à ça. On voit combien de temps j'ai mis, alors évidemment ça a été plus rapide que de le finir la première fois, donc le score s'est amélioré. Et il reste un quart d'heure, on peut prendre un petit quart d'heure encore pour non pas explorer la face C. Attendez. Juste vérifier un truc. Mais se faire la fraise qu'on voyait. Et la fraise est apparue ici aussi. Non. Autour de la carte, oui. D'abord on va la faire sur la face A qu'on vient en plus de bien s'entraîner. Non mais en plus j'ai pas besoin de prendre les autres fraises. Juste pas crever, hop hop hop. Bon, tant pis. Hop, hop. Oui. Voilà. Non, on s'en fout, mais c'est pas grave, ça marche aussi. Alors. Voilà. Prendre le chemin le plus safe. Je sais pas pourquoi j'ai voulu absolument prendre la fraise. Voilà. Ça passe. Là, on attend que ça tombe, on saute, on dash. Ok, on dash et on va y arriver. Voilà, on a pris 3 fraises sur le trajet. Ce qui fait qu'on n'a pas le chapitre complètement fini, mais le chapitre... Mais on est à 21 sur 20 fraises parce qu'on a fait la fraise dorée. Vu que c'est allé très vite, on va faire la même chose mais pour la face B.
Sachant que la face, les faces B, il n'y a pas de... Déjà, j'ai pas eu d'entraînement sur pour revoir qu'est-ce qu'il fallait faire et tout, donc il y a des chances que je meure. Genre là, j'ai failli. Ah bah là, je vais crever, voilà. Et donc on recommence du début, c'est ce que je vous disais. Non mais il faut la prendre quand même là. Oups. Donc il faut bien prendre la fraise, il faut pas faire n'importe. Voilà, c'était plus facile le premier essai. C'est juste parce que j'ai l'impression de pouvoir tout faire trop facilement alors que vraiment pas. Voilà. Voilà, très bien. Hop, punaise, j'ai failli m'agripper, je ne l'ai pas fait. Et donc, vous voyez que recommencer du début, ça veut dire que faut pas qu'on peine quasiment sur aucun des tableaux. Faut pas oublier que là, j'aurais pas du dash. Faut oublier la fraise aussi. Je vais quand même essayer de réussir ce... cette fraise dorée sur une face B. Non, j'ai dit qu'il fallait que je dash pas ici. Mais je dashais. Je pensais que j'étais retombé dessous. Oh zut. Alors, hop, hop. Voilà. Oh zut. Donc ça peut être très frustrant les fraises hein, quand on n'est pas très à l'aise avec le niveau, c'est pour ça que... Et mince. Aujourd'hui, pour le cœur, je me vois vraiment pas les faire. Pour les faces B, pas vraiment. Pour les faces A, je pense quand même. Après, peut-être qu'en faisant les faces C, je me dirais ouais, mais non. Les cœurs des faces B, c'est facile. C'est Stex d'ailleurs que j'ai vu commencer à faire les... à la fois les faces B, à la fois les cœurs. Et bah il a... Apparemment il a compris un truc sur les faces B, sur la face C du monde 1, donc la face C de ce monde là. Et du coup, il a préféré faire la fraise directe, comme ça, c'était fait tant qu'il avait le truc en main et tout. Alors moi, j'ai vu le début, je suis revenu voir à la fin de son truc, mais j'ai pas... Je sais pas c'est quoi ce truc qu'il a compris. Donc, je ne me suis pas spoilé ça. Au cas où vous le demandiez. J'arrive sur la droite ici, punaise, en plus. Donc c'est pour ça que faire le niveau... Mince. Pour avoir tous les...
prendra le drapeau le beau drapeau jaune avant. C'est mieux. On refait le niveau, on se le remet en tête. Ah oui, sur ce. Ici, ce niveau. Mince, c'est comme ça qu'il se passe. Etc. Double. Plutôt que de les redécouvrir, je... Punaise, mais à chaque fois ici... Non, je sais le passé, je l'ai déjà passé plusieurs fois, mais j'étais trop bas. Peu n'impasse cet endroit là, un petit peu. Ah, j'ai lâché, mais trop tard. Hop là, bon. On va quand même essayer de l'avoir là, le... Je ferai peut-être pas toutes les phases B, mais le 1, je vais quand même essayer d'avoir toutes les fraises, que ce soit A, B, C. Ce serait dommage sinon. Toutes les fraises dorées, je sous-entendais. Alors là. Là. Hop. Et hop. C'était pas si compliqué ici. Oh. Après, je sais pas si c'est plus intéressant ou moins intéressant de voir ça en VOD. En live, je n'en doute pas, en VOD. C'est le genre de choses que... Faut pas que vous hésitiez à me dire. Si c'est chiant d'essayer de me voir réessayer un niveau que je suis censé connaître, que vous m'avez déjà vu galérer. Mais non pas pour... Oh, j'ai réussi à passer pile comme il fallait. Oula, j'ai fait n'importe, mais c'est passé. On se repose un petit peu ici. Voilà, pour les drapeaux, je trouve déjà moyennement que ce soit intéressant que vous ayez ça en VOD. Mais alors pour les fraises, ça s'apparente un peu à du speedrun. Hein. Au final, j'apprends petit à petit tous les niveaux. Ça peut s'apparenter quelque part à un peu de speedrun. À une intro light, vu que je peux quand même... Pas que je fasse ça. Je peux quand même, dans tous les cas... J'ai oublié de revenir. Je peux me prendre une pause là où je veux, mais que je connais le niveau, que théoriquement je sais à peu près comment passer ceci, cela, voire même que j'ai appris des nouvelles techniques entre temps. Lui par contre, il veut pas. Hein. Ok, petit misclic sur le dash. Quand même là où on regrette. Mince.
c'est là où on regrette d'avoir passé autant de temps pour récupérer le chapitre complètement fini du 1A. Parce qu'on aurait pu se passer un peu plus de temps pour cette fraise du 1B. Oh, j'essaie de rattraper parce que je trouve qu'il descend pas assez vite. Parce que je lâche trop vite en fait. Je lâche trop vite, du coup faut que je rattrape. Non, non. J'ai essayé de passer comme ça, j'avais réfléchi entre temps, mais ça n'a pas fonctionné, c'est pas ouf. Pourquoi j'étais en train de patienter. Ici très bien. Il faudrait peut-être que j'y aille sans la fraise, mais après ça voudra dire recommencer le chapitre. J'ai oublié de sauter puisque la manette vibrait, je comprenais pas, alors que c'est juste que j'ai plus d'énergie. Je suis au courant que quand la manette vibre et tout, et que à ce moment-là je suis censé ne plus avoir beaucoup d'énergie. Attendez, j'ai juste un mauvais souvenir là qui vient de me traverser l'esprit. Que là, bon, l'épisode est censé plus ou moins toucher à sa fin. Je vais faire le kiki et vous montrer ça, mais mince. Ah, punaise. Ça pourra m'entraîner. Enfin, du coup, je vais pouvoir m'entraîner là-dessus, mais. Ah oh, zut! J'ai un gros doute sur un truc qui arrive après. Et qui était super dur. Déjà, ça, c'est pas facile. Pas comme ça. Oups. Ouais, déjà ça c'était super dur. Et il me semble que c'est ce monde-là. Bah de toute façon, je l'ai pas vu. Mince. Je l'ai pas vu en 1A et il y avait ces trucs-là où il y a une sorte de coque, mince, de pique dans laquelle il faut aller avec un truc comme ça qu'il faut et déjà celui-là je sais que j'avais beaucoup de mal, donc ouais non, déjà rien que ça. Voilà, c'était pas si compliqué. Voilà, ce truc-là. Très bien, ben oui, non. Ce truc-là, où je vous le rappelle,
Il fallait retomber là-dessus et... Et croiser beaucoup les doigts. Déjà, je me suis agrippé, il faut pas... Et donc ce truc-là à faire à partir du tout début. Non, merci. Oui, retour à la carte. Parce que phase B, voilà, c'en était juste à cet endroit-là. Et puis après, il y a la partie fin, quoi. Donc je retire peut-être un petit peu ce que j'ai dit. On va peut-être pas se faire les fraises sur ou pas en live, pas en VOD, je sais pas. Je trouve que ça commence à être un peu de l'acharnement de vouloir faire tout ça en VOD en tout cas. Mais toujours est-il que on a fini la phase B, enfin toutes les phases B. Donc on a débloqué la phase C et les 13 jaunes pour le... Pardon, pour le Nodes. On arrête cet épisode ici, j'espère qu'il vous a plu tout simplement. On se retrouve pour la suite et la suite ça sera refaire le jeu mais sur sa phase C. Je suis... joyeux, tout en joué. Bref, à bientôt pour ce nouveau délire.